suis ravi là d'accueillir Advance dans le projet. Alors de l'accueillir pas vraiment parce qu'il nous a accompagné déjà sur la solitaire du Figaro. Et puis là il continue à nous accompagner dans ce beau projet avec la construction de ce bateau. Et puis donc Advance sera partenaire du bateau sur l'année 2019 pour la Transat Jacques Vabre. Donc c'est une super news pour toute l'équipe de TRR. Et puis on est malgré tout quand même en recherche toujours de partenaires pour la suite, pour 2020. Voilà, mais en tout cas, step by step, et aujourd'hui on est vraiment ravis d'avoir Advance à nos côtés pour nous accompagner. C'est un bateau qu'on vient juste de réceptionner et d'accueillir à Lorient. Il a été construit en Italie au chantier Persico, et du coup de l'avoir là sous la main, c'est quand même super. On a une mise à l'eau prévue fin août, donc là on est une dizaine de techniciens à travailler d'arrache-pied pour cette mise à l'eau dans quelques semaines. Il y a encore beaucoup de travail, mais on va y arriver. Il y a une génération de bateaux là qui est en train d'arriver et qui passe un gros cap en performance, je pense, avec des foils qui sont beaucoup plus grands qu'avant. Il y avait déjà une petite révolution sur la dernière édition et la dernière génération de bateaux. Là, on passe vraiment un gros cap et oui, c'est sûr que les prédictions de vitesse sont assez impressionnantes. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à les atteindre? Est-ce qu'on va réussir à assumer ces vitesses-là avec un monocoque qui sont des bateaux quand même qui portent du plomb? On verra. Donc, tout ça dans quelques semaines. Pour la Transat Jacques Vabre, là, je vais embarquer Antoine Coche. Voilà, je suis ravi qu'il ait accepté de m'accompagner sur cette Transat qui est importante dans le processus et dans toute la préparation pour arriver jusqu'au Vendée. Le choix n'est pas anodin, hein. Antoine nous a accompagnés dans la conception du bateau, dans les échanges avec Guillaume, dans notre cahier des charges un peu de départ, sur la conception des appendices, sur le jeu de voile aussi notamment qui est important. Et puis il a une grosse expérience avec Gitana notamment sur plein de domaines. Donc c'est avec grand plaisir que je l'embarque. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup navigué en plus de cette expérience technicien, d'ingénieur, d'architecte naval. Il a navigué beaucoup en multi et c'est vrai qu'on a des bateaux qui se rapprochent en termes de vitesse des multicoques.